Darius et Nihima devraient être en sécurité maintenant. Le monde grec ne leur fera plus de mal. Ils peuvent enfin le quitter en paix. C'est une bonne chose. Mère, nous allons enfin pouvoir rentrer chez nous. Un jour, tu m'as dit que tu rêvais d'une vie banale, d'une échoppe sur l'agora, de pêcher avec ton fils. Oui, je m'en souviens. Comptes-tu toujours le faire? Un jour. Peut-être. Avec ou sans vous, le bateau s'en va. C'est maintenant ou jamais! Alexios. Darius. Ainsi, c'est l'heure. En effet. Nihima. Darius. Bon voyage. À tous les deux. Et ne regardez jamais en arrière. Je t'ai laissé une lettre, Alexios. J'y ai mis tout ce que je ne pouvais pas te dire. Elle est à Dimée, dans la maison. Il faut chercher le vin. Je ne l'oublie jamais. Nihima et Darius sont en sécurité. Le monde grec ne leur fera plus de mal. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est tellement calme. Dire que ces murs résonnaient de la clameur de nos rires. Sans doute y a-t-il un temps pour tout. La lettre de Nihima. Nihima. Il y a le vin, c'est déjà ça. Il y a du vin, c'est déjà ça. La véritable amitié est chose bien rare, Alexios. Réfléchis-y à deux fois avant de les laisser partir.
Tu ne dors jamais, dis-moi. Sans le doux baiser de la brise, le souffle de l'océan. Pourquoi dormir? Cela me manquerait, Alexios. Tout me manquerait. Au fait, ton petit guerrier affamé a encore englouti le lait et le pain. Un véritable estomac spartiate. Son appétit nous consumera tous. Encore du lait et du pain, donc. Je vais faire les courses. Double les doses. Tiens. Je devais donner ça à la marchande, mais... le temps m'a manqué à cause de... C'est vrai qu'il a cet effet-là sur les gens. Je vais lui apporter et... doubler les doses habituelles. L'agora devrait être déjà ouverte. Je reviens tout de suite. Alexios, comment va mon client préféré? Il est affamé et très fatigué. Oh, c'était pareil pour moi. Profite, ça passe vite. Promis. Enfin, bref. Darius m'a demandé de te donner ça. On va devoir doubler les doses habituelles. Du lait et du pain, s'il te plaît. Ah, pour le pain, je n'ai plus de blé. Je devais en récupérer à la ferme au bout du chemin. Tu crois que tu pourrais m'aider? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Merci, Alexios. À tout de suite. La ferme n'est pas bien loin. Je viens récupérer le blé de la marchande. Ah, très bien. Il est là, près de la clôture. Guinness Afton. Tiens, voilà ton blé. Je vais faire le pain tout de suite. Pas question de faire attendre mon client préféré. Tiens, voilà. Du pain qui sort du four et du lait qui sort de la chèvre. Merci. Je vais repasser bientôt. Nous allons vite être à court. Parfois, je me dis qu'Elpidios fait tourner mon échoppe à lui tout seul. C'est bien possible. Comment va mon Elpidios, mon fils? Son père lui manquait. Lui aussi, il me manquait. Promets-moi, Alexios. C'est notre vie, c'est notre foyer. Tu te souviens de la Macédoine? Bien sûr. La poussière, les flammes, le veneur. Je me souviens de toi, Nihima. Seulement de toi. Un foyer, ce n'est pas qu'une maison. C'est être ensemble. Et tant que nous sommes ensemble, nous avons un foyer. Tu sais, Elpidios, c'est là que ton père a grandi. À Kefalonia. Juste ici. Mais ce n'est qu'en venant ici, en te rencontrant, que je me suis vraiment senti chez moi. Cléta et Phila sur la plage. Elles n'ont pas échappé à leur destinée. Ça se termine toujours dans le sang. Ma famille a fui si longtemps. Peut-être certaines choses sont-elles inévitables. Quel que soit l'avenir, quels que soient les plans d'Amorgès et de l'Ordre, je te le promets, sur notre fils, je nous protégerai. Ce combat que nous menons contre l'Ordre, cette guerre, ma vie ne suffit pas à en voir la fin. Ni la tienne. J'ai été peut-être trop naïf de le croire. Notre étoffe n'est pas faite de destinée, mais d'action. Notre petit Léonidas a dit son premier mot aujourd'hui. Quoi? Je n'ai rien entendu. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il a dit? Grand pater. Ou alors c'était un rô. À cet âge, c'est difficile à dire. Qui sait, mon petit génie?
Qui c'est qui est intelligent comme son grand pater? Qu'y a-t-il de plus beau que ceci? Une vie simple. Dépêchez quelqu'un en Perse. Qu'ils envoient la flotte. Qu'ils envoient tout le monde. À tes ordres, Amorges. À bientôt, mon vieil ami.